Ça y est, le F-150 débarque officiellement en Europe. Alors, il disait justement que la demande avait ralenti en Amérique. Bah, du coup, il est temps d'exporter les véhicules qui ont été construits en Europe. Parce qu'il y a une demande, je pense. Ça va commencer par la Norvège, visiblement. Ça paraît logique. Donc, Peter Gunnarberg, qui a tweeté, hein, il va vendre le premier, l'occasion de faire un rappel sur. Les caractéristiques, la version norvégienne dispose de la petite batterie de 98 kWh, une autre de 131 kWh est disponible aux USA. Donc 429 km WLTP. Un chargeur de 150 kW permet une charge rapide de 10, de 15 à 80% en 39 minutes. 5 mètres 91 de long, 2,03 m de large, 2,8 t. Très bien, c'est ça, c'est une petite voiture du coup. Un frunk de 400 litres, la fonction V2L pour alimenter des outils électriques de la batterie de traction. Alors la puissance est décevante, par contre c'est 2,3 kW avec une telle batterie, c'est nul, et à un tel prix. Non mais enfin 2,3 c'est minable. Le Niro fait 3,6 par comparaison. N'importe quoi. 104 000 euros donc, rien d'annoncé en France pour le reste des pays. On verra si il change d'avis ou pas. Ma foi, en tout cas ça va commencer par la Norvège. Bon, les caractéristiques gigantesques, hein, mais bon. Il y aura une clientèle hein, pour la Norvège. Ils sont très friands de ce genre de véhicule. Allez, bye.